Alors, coucou mes petits malins. Donc, du coup, c'est enfin aujourd'hui qu'on va faire la tier list des champions de Paladin. Donc, du coup, ce que j'ai mis, c'est coup de cœur, parfait, inutile, tu m'énerves et médiocre. Donc, voilà. Déjà là, on va commencer par celui, ou plutôt celui ou celle que j'ai eu. Comment dire? Toi, tu te dégages, merci. Donc, du coup, que j'ai eu une affinité depuis le tout début. Donc, du coup, qui va aller directement dans mes coups de cœur. Donc, qui est Tyra. Donc, Tyra est dans mes coups de cœur. Puisque j'ai eu une affinité avec elle depuis le tout début du jeu, depuis que je l'ai, autrement dit, essayé. Donc, du coup, voilà. C'est à peu près ça. Donc, inutile. Donc, qu'est-ce qui est inutile? Bref. Non, pas du tout. On va commencer. Donc, on va commencer avec le commencement. Donc, Androtsus. Excusez-moi si j'écorche son nom. Ben, Androtsus, ben, malheureusement, n'est pas parfait, n'est pas inutile, ne m'énerve pas, il n'est pas médiocre, c'est bizarre. Ça, c'est un petit peu dur de le mettre. C'est un petit peu bizarre. Hein? N'est pas parfait. Parfait pour moi, c'est pour dire que il est safe, là. Qu'il est safe, autrement dit, qu'il joue. Bref, ben, je dirais pas inutile. Il ne m'énerve pas, c'est ça, en fait. Il ne m'énerve pas. Vraiment, inutile non plus. J'ai pas le choix de le mettre dans parfait. Parce que, à vrai dire, il n'est pas parfait parce qu'il y a un truc qui me dérange. Il ne m'énerve pas au point. Il n'est pas inutile. C'est un très bon champion, entre guillemets. Mais il n'est pas médiocre. Voilà. Du coup, H. Pour moi, vu que moi je n'aime pas du tout les tanks, hein, parce que je trouve qu'ils sont trop lourds à manipuler. Du coup, puis j'aime pas trop H. C'est un tank. Du coup, ben voilà, Tyra c'est une, c'est un champion qui fait du dégât. Androtsus, il me semble que c'est un flanc. Du coup, H c'est un tank. Donc, du coup, elle va tanker, quoi, tous les trucs. Bon. Qu'est-ce qui m'énerve? Ben, elle m'énerve. Puis, elle est complètement inutile. Donc, vraiment, entre inutile et tu m'énerves, je vais clairement dire qu'elle est. Ben, qu'elle m'énerve, quoi, clairement. Parce que, dans un sens. Elle est inutile parce que c'est un tank. Moi, je n'aime pas jouer des tanks, du coup. Mais j'utilise quand même une fois de temps en temps. Mais qu'est-ce qui m'énerve à propos de elle, c'est qu'elle a un pouvoir là qui nous fait foncer dessus. Voilà, qui l'a fait avancer d'un coup, du coup, puis qu'elle peut nous frapper dessus. Elle a un autre pouvoir aussi que. Que.
la fait, faire, qu'elle ne reçoit pas de dégâts pendant quelques secondes, et ça m'énerve au plus haut point. Donc, je ne l'aime pas particulièrement. Voilà. Donc, Atlas, ben, il ne m'énerve pas, c'est juste qu'il est complètement inutile pour moi. Il a le pouvoir d'arrêter le temps et de le reculer, mais bon, du coup, voilà. Donc, c'est très dommage qu'il n'y ait pas une très bonne qualité hein, sur mon téléphone, mais bon, on fait avec ce qu'on peut. Donc, si je fais moins... Si je mets moins de... Si je fais moins... Donc... On va embrouiller. Mais au moins, on voit un petit peu quand même mieux. Mais on va embrouiller, je sais pas. Comment que je pourrais faire? Voilà. De même. Là, on voit plus on voit toujours un peu embrouillé, mais c'est moins pire. Et on voit un petit peu plus foncé, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Pour... Voyons, je cherche un nom. J'ai un blanc. Barrick, je crois. C'est ça, je pense que ça, c'est Barrick. Barrick qui est aussi un tank. Il n'est pas médiocre. Ne m'énerve pas du tout. En vrai, il n'est ni parfait. Donc, clairement, il va dans l'inutilité. Personnellement, je parle pour moi. Il est inutile dans le sens que, voilà, que je ne joue pas avec. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà joué avec tous ces personnages. Il n'est pas vraiment inutile. Il n'est pas parfait non plus. Donc, ça aurait pris beaucoup plus de classification. Mais là, je le mets dans l'inutilité. Donc, ensuite... Bon King n'est pas inutile, il n'est pas parfait non plus. Alors on va le mettre dans parfait parce que quand même, lui, c'est qu'il lance des bombes et voilà quoi, c'est quand même poppy comme un dégât. Non, je pense que c'était lui, Barrick. Oh, je sais plus. Oula, je vais revoir. Je vais juste me dépêcher, quand même. Je vais aller revoir. Non, ça va, c'est bon. Celui-ci, c'est Buck. Buck. Il m'énerve. Lui, clairement, il m'énerve. Il m'énerve. Clairement, il m'énerve. Il m'énerve dans le sens que... Qui nous ralentit, voilà. Dans le sens qui ralentit les joueurs et... Voilà, les personnes, quoi. Donc, il m'énerve complètement. Casey, elle m'énerve parfois, mais... C'est vraiment médiocre. Médiocre dans le sens que... justement, hier, j'ai joué avec elle, vraiment. C'est pas que j'aime pas... C'est qu'elle est vraiment complètement médiocre pour moi, en tant que, voilà, dégâts, voilà, en tant que championne de dégâts. Bon, excusez-moi, j'ai bu. Donc, Corvus, je l'aime bien. Je l'aime réellement bien, dans le sens... que c'est le nouveau, d'ailleurs, c'est le nouveau champion qu'on a eu il y a 3 mois, donc avec la nouvelle Battle Pass qui est apparue. Du coup, Corvus, j'aime bien. J'aime bien, c'est surtout son ultime.
Sachant que c'est le premier qu'on voit qui soigne, voilà. C'est un soutien, voilà, comme qu'il appelle dans le jeu. Donc, voilà. C'est un personnage qui soutient les joueurs, donc ils guérissent et tout, mais il n'est pas parfait. Il est très faible niveau soutien, mais qu'est-ce que j'aime chez lui vraiment, c'est son ultime. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Un jour, je vais vous parler de tout, de chacun d'eux, de chaque champion avec leur pouvoir et tout. Croyez-moi, ça va être stylé. Donc, Dredge. Il m'énerve pas. Il n'est pas parfait non plus. Il n'est pas inutile. Donc, j'irais plutôt médiocre dans le sens que lui aussi, c'est un dégât, mais il est très... il est faible. Puis, je ne l'aime pas en particulier. Donc, médiocre dans le sens, voilà, que je l'aime pas en particulier. Puis... Ah, Drogoz aussi, pareil. Il est médiocre dans le sens que... Voilà, que je l'aime pas du tout. J'aime pas du tout son... Voilà. Là, je peux pas vous dire en plus... je vais vous dire plus tard pourquoi que je n'aime pas. Donc, comme j'ai dit, je vais vous présenter... Je vais tous vous les présenter. Et écrire un... pas écrire, mais vous lire leur pouvoir et tout. Je vais tous vous les montrer plus tard. Pour le moment, on fait juste cette vidéo. Donc, il y a aussi Evie, que... médiocre. Médiocre, réellement. J'aime pas beaucoup non plus. Donc, Atlas, pour moi, comme je l'ai dit... Non, c'est pas Atlas, c'est Fernando, excusez-moi. Je ne l'aime pas en particulier, donc il est inutile pour moi. Pour moi, tous les tanks sont inutiles, presque. Enfin, presque. Donc, Furia, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je l'aime bien. Ouais, je l'aime bien. Grok. Ben, Grok... Bah, en fait, je ne l'aime pas. Il ne m'énerve pas non plus. Donc, il est vraiment médiocre. Pour moi, Grok, c'est médiocre. Grover, bah, m'énerve pas. Je trouve qu'il est inutile. Niveau, pas niveau soutien. En soutien, ben, c'est pas pire. Il est quand même pas pire, mais ce que je ne l'aime pas. Niveau visuellement, je ne l'aime pas. Que ce soit n'importe quel de ses skins, je ne l'aime pas. Donc oui, je vais vous en parler aussi. Je vais vous parler aussi de leur skin. D'ailleurs. Ça, c'est Imani. Pareil, médiocre. Je ne l'aime pas particulièrement. J'ai déjà essayé de jouer. C'est vraiment très difficile. Elle est vraiment, vraiment faible comme champion. Vraiment faible. Du coup, même j'aurais pu dire qu'elle est complètement inutile, mais non. Elle est vraiment médiocre. Inara. Vraiment inutile. Je m'en fous de son existence. Donc, du coup... vraiment, je ne l'aime pas beaucoup. Et tout. Donc, ensuite, Aion. Aion, vraiment parfaite. Vraiment parfaite. En plus qu'elle peut faire apparaître un renard qui s'appelle Luna. Donc, voilà. Vraiment. Dinos, pareil. Parfait. Kane, médiocre, surtout en tant que tank.
vraiment médiocre. Voilà. Cherchons-en à elle. Sérieusement, comme sniper et tout, elle fait plein de trucs, je l'aime pas. C'est juste que je ne l'aime pas, mais je l'aime bien. Donc, elle va aller dans le milieu, donc dans l'inutilité. Donc, je m'en fous de son existence, mais bref, c'est à peu près ça. Kuga, il ne m'énerve pas. Il n'est pas médiocre. Il n'est pas non plus parfait. Il n'est pas non plus inutile. C'est pas non plus un champion que je mettrais dans le coup de cœur. Vraiment. Donc, du coup, pour la peine, je vais le mettre pareil dans le parfait. Parce que je l'aime bien. Vraiment, je l'aime bien. Lex, ben, il ne m'énerve pas. Il n'est pas médiocre. Donc, lui, il va être complètement dans l'inutilité. Donc, je ne l'aime pas particulièrement. Liane, ce n'est pas non. C'est pas vraiment un coup de cœur, mais je vais le mettre ici là. Je la mets ici dans le coup de cœur parce que. Je l'aime bien. Surtout son nouveau skin. Qui est déesse de la mort. Donc, ça équivaut à un Shinigami. Donc, voilà, en version japonaise, c'est Shinigami. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais, pareil, coup de cœur pour elle, pour celle-ci. Makoa, il est pas médiocre, ni il ne m'énerve pas, il est complètement inutile. Maldamba, parfait, rien à dire, je l'aime beaucoup, je l'aime bien. Moji, lui par contre, Moji m'énerve un peu, mais je l'aime bien aussi, mais il m'énerve. Pip. Lui, Pip, n'est pas inutile. Je vais plutôt le mettre dans parfait, dans le sens qu'il n'est pas inutile. Toi, tu caches mon truc. Merci de pas venir dans mon truc. Donc, je l'aime bien. Rome, celui-ci, c'est le premier tank que j'aime bien. Donc, il va aller dans... Voilà. Dans parfait. Parce que vraiment, je l'aime bien. Il est vraiment, entre guillemets, plus fort. Moi, personnellement, je trouve qu'il est plus facile à contrôler. Vraiment. Rukus. Voilà. Rukus. Ou Rukus. Il ne m'énerve pas. Vraiment. Celui-ci, je pense, c'est après Kane. Rukus est médiocre, personnellement. Il est quand même. C'est quand même un bon. Un bon champion, mais il est médiocre, dans le sens. Seiris. Elle n'est pas inutile. Je l'aime bien, en fait. Elle, je l'aime bien. Shaolin, médiocre. Hein? Vraiment médiocre. Mais je l'aime bien un peu. Mais il est juste médiocre dans le sens qu'il est un peu faible, lui aussi, niveau terme de dégâts. Sky, elle m'énerve complètement. Surtout quand c'est l'ennemi qu'il a et qu'elle... pop en pleine face, c'est vraiment très 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 chiant. Donc du coup, je vais vous dire pourquoi plus tard, pourquoi j'ai mis
ceux-ci dans tel ou tel classement grâce à vous expliquant leur pouvoir et tout, vous dire pourquoi ça m'énerve, il m'énerve et tout. Strix, c'est mon coup de cœur, c'est mon beau gosse, comme je l'appelle. Voilà, mon BG. Bon, lui, rien à dire, hein. C'est beau gosse. C'est mon beau gosse. Talus, en vrai, les tourments points que Koga. Donc, pour moi, Talus ressemble un petit peu à Koga dans niveau ce que je ressens. Du coup, je l'aime bien. Puis je l'aime pas en particulier, quoi. Terminus. Là, je commence à... Donc, mon bras, il est presque mort. Donc, Terminus. J'aime pas en particulier. Il n'est pas inutile. Il n'est pas... Non, à niveau tank... Non. Inutile, j'aurais pas... C'est ça, en fait. C'est compliqué parce que il ne m'énerve pas. Il n'est pas médiocre. Puis il n'est pas inutile. C'est ça, en fait. Puis il n'est ni parfait. Mais je pense qu'il faut que je fasse un choix. Donc, je vais le mettre dans inutile parce qu'il n'est pas plus. Il n'est ni moins. Je sais pas si vous voulez... Vous voyez ce que je veux dire. Mais bon. Tiberius. Tiberius, comme qui dit. Vraiment. Mais il est parfait. Je l'aime bien. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Bref, voilà. Torval. Il m'énerve. Carrément, comme tank, il m'énerve. Victor, parfait. M'énerve vraiment. Viviane, parfait. Je l'aime bien, elle aussi. Malgré qu'elle m'énerve. Je pense que... Non, elle est plus niveau comme... Niveau comme Sky. Elle m'énerve. Clairement. Willow est parfait. Ying, avec son nouveau skin, est parfaite. Elle est vraiment très jolie. Jin, il est parfait. Donc, voilà mon classement de tous les champions de Paladin. Comme vous pouvez le voir. Donc, j'en ai 4 dans le coup de cœur. Plusieurs. Ils sont 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 champions. Il y a 17 champions en niveau parfait. Donc, inutile, ça c'est sûr. Comme vous avez pu voir, il y a plus de tanks. Donc, tank. Donc, c'est tout dans inutile. Ceux-là, c'est parce qu'ils sont ni vraiment parfaits. Mais ils sont vraiment très bons. Voilà, c'est pas comme les autres qui sont classés réellement dans médiocre. Donc, ceux que j'aime réellement pas, mais qui sont médiocres. Et ceux-là, c'est tous ceux qui m'énervent, clairement, quand les autres joueurs ou autres utilisent.